Bah, c'est vraiment pas évident, parce que les dates ça prend beaucoup de temps dans les semaines. Et bon, c'est, en même temps, c'est une grande chance que j'ai eu de faire donc le tour du monde avec toutes ces dates. Mais à côté de ça, c'est sûr que j'ai toujours envie de produire, donc que ce soit musicalement parlant comme graphiquement parlant. Donc pour tout ce qui est graphisme, j'ai pas mal fait ça sur la route en fait, finalement. J'ai créé entre deux avions, un aéroport, l'avion qui était en retard de 3 heures. Bon ben parfait, c'est 3 heures de travail. Donc, c'était vraiment dans les voyages. Et pour l'album, c'était pas évident, quoi. Il fallait un minimum d'organisation, de prévoir des jours fixés par semaine, faire attention par rapport aux dates et tout ça. Donc ouais, c'est une grosse organisation, parce que c'est vrai que c'est pas évident de tout gérer en même temps, quoi. L'idée du clip au départ, moi j'avais des idées, c'était un peu fight against the authority, si on peut dire ça, ça me fait penser à Cartman. Et après j'ai créé les personnages et les ai donnés aux Japonais, qui sont Fury Fury, une agence au Japon. Et c'était marrant d'ailleurs la rencontre, parce que c'était complètement inattendu finalement, parce que moi je suis tombée sur un DVD à eux avec il y a plein d'animations, plein de trucs, et il y avait aussi leur clip dedans. Et j'ai vraiment craqué, quoi. J'ai vu, c'était, ça s'appelle Shinobi, c'était tout en noir et blanc, même si le que forward, mais enfin vraiment hyper graphique. Et je veux ça, quoi. C'est pour mon clip, je veux vraiment. Donc j'en ai parlé à discographe, donc au label, je leur ai montré tout ça, je leur ai dit je veux quelque chose comme ça, et ils m'ont dit pourquoi pas les brancher directement. C'est ce que j'ai fait via MySpace, et ils m'ont dit Missile, carrément, on écoute ton CD mashup en boucle ici, on l'a acheté. Donc carrément ils me connaissaient, quoi, même du Japon, donc énorme. Et donc du coup ça s'est fait, et du coup c'est nos deux univers mis ensemble. Et c'est quand même assez dur, mais en même temps, enfin voilà, ça va avec le concept aussi dans Fuck With Me. Enfin, et puis le robot qui est quand même. C'est assez dur, quoi, c'est sûr. Bah déjà, à la base, je suis une DJ de Paris. Enfin, vu de l'étranger, quoi. Enfin, mais pour de vrai aussi, mais. Donc du coup, ce qui est bien d'être de Paris et de France en ce moment, c'est que c'est la hype, quoi, qui est vraiment, enfin, c'est carrément devenu un style, le French Electro, tout ça. Donc, c'est énorme de voir la vie extérieure des gens, et de voir que Paris, c'est autant respecté et autant admiré, tout ça. Et de notre côté, après, c'est différent dans les pays, quoi. Par exemple, l'Allemagne, là, ça cartonne vraiment pour moi en ce moment là-bas. Donc, je suis dans le forward, mon track, le single, il est dans les grosses radios, en boucle, en rotation. Carrément, même le clip, il est dans le métro à Berlin. Enfin, c'est vraiment. Enfin, il y a une grosse presse mise là-dessus. Et puis, donc, j'ai fait des grosses soirées un petit peu partout. Mais en général, les gens prennent ça assez bien. Et puis, jusqu'à maintenant, ça a bien fonctionné, quoi. Ouais, il y a un peu des deux, ouais. Parce qu'en fait, c'est hyper speed mes enchaînements. Enfin, en gros, je passe un truc comme 70 disques en 1h20. Donc ça va hyper vite. Donc ce que je fais, j'ai des groupes en fait, de plein de disques qui vont ensemble. Et puis après, je peux switcher de groupe en groupe, quoi. Si selon comment les gens y sont, tac, je peux switcher, quoi. Donc ça, enfin, il y a vraiment des deux, mais il y a beaucoup de travail de préparation, quoi. C'est vraiment. Enfin, c'est j'essaie au maximum de tailler mon set pour le dance floor, quoi, pour les gens, quoi.
Bah déjà, le premier mot qui me viendra à l'esprit, c'est éclectique, parce que ça passe vraiment par plein de couleurs différentes. Et en fait, je voulais essayer de représenter un petit peu mes mix, mais avec mes tracks, quoi. Enfin, donc du coup, c'est le même ordre que je les aurais joués, en fait. Donc en passant au début par des trucs reggae, hip-hop, dancehall, enfin tu vois, avec Hill, et après en passant par des trucs hip-hop, électro, mais toujours en gardant une intensité, enfin c'est quand même fait pour le dancefloor ces tracks à la base. Et du coup ça passe par plein de couleurs, donc hip-hop, après je passe dans des délires plus rock, dubstep, après je passe dans des délires plus électro, plus enfin limite techno quoi, mais c'est bien électro en tout cas. Donc ouais, ça peut surprendre des gens parce que ça passe vraiment par plein de styles différents, mais en même temps c'est moi quoi, enfin, c'est ce que je joue, c'est ce que j'ai toujours joué. Puis ces tracks-là, je les ai créés vraiment pour les jouer à la base. Donc voilà, c'est éclectique, urbain.